Bonjour et bienvenue, on retourne sur du protocole Maelstrom. Donc, la vidéo va faire à peu près 50 minutes, je vais juste faire une intro, vous expliquer un peu comment ça s'est passé et tout ça. Et après, je laisserai la vidéo pour ceux qui sont curieux de l'enchaînement en fait, des missions et tout ça. Aussi, au passage, si quelqu'un sait pourquoi ça dit saison 19 et le protocole précédent, c'était saison 18, le jeu vient de sortir, donc je comprends pas pourquoi. Peut-être que c'est calqué en fait sur les événements de siège. En tout cas, si vous jouez à siège, je sais pas, peut-être que vous pouvez me renseigner par rapport à ça. En tout cas, deuxième Maelstrom, donc on a une meilleure fin que le premier, on a une bien meilleure fin. Donc c'est encore avec des randoms, complètement des randoms. Je pense que les deux jouaient ensemble, donc ils étaient assez bons. Encore une fois, je pense que la difficulté est due au choix des personnages cette fois-ci. Grandement, en fait, la difficulté elle est grandement due à ces choix-là. On a Alibi qui est très très solide, et c'est celle que j'ai utilisée pour ce Maelstrom. Après, on a Finca qui est aussi très très solide. Mais c'est à peu près tout. Le reste, bon, il y a Vigil qui peut aider, hein, surtout pour... tuer silencieusement et tout ça, et après genre marquer les nids où il faut pas faire de bruit, il faut pas se faire voir et tout, ce qui est la dernière mission au passage, donc c'est une des plus difficiles du coup. Donc Vigil en fait prime vraiment pour la dernière, c'est un peu lui qui va devoir faire les nids. Mais après le reste des personnages c'est assez moyen, on va dire que c'est pas vraiment très basé sur ce qu'on doit faire, on doit être rapide et tout ça, enfin, vous savez comment ça se passe le Maelstrom. Donc je pense que la difficulté est bien plus élevée cette fois-ci pour ce Maelstrom là. En tout cas, encore une fois, je suis tombé sur des randoms qui jouaient vraiment bien, vraiment bien. Vous allez même voir le score, hein, j'étais un peu le dernier de l'équipe. Mais ça s'est vraiment bien passé, il y avait des côtés vraiment cool. Genre on s'organisait à tirer en même temps sur certaines cibles et tout ça, sans genre parler, même sans écrire, parce qu'on peut écrire, on peut parler hein, dans le jeu, mais même sans ça, on a juste marqué tout ça et on savait vraiment quoi faire. Donc ça c'est cool, c'est ça un peu la magie de Rainbow Six, j'ai envie de dire. Une fois que vous êtes bien dedans et que vous connaissez un peu les stratégies et tout ça, vous pouvez vraiment vous coordonner sans même parler. Et ça c'est cool, ça c'est vraiment sympa. Donc ouais, c'est vraiment bien passé, j'espère que vous aimerez la vidéo, elle fait à peu près un peu, tout petit peu moins d'une heure je crois bien. J'ai passé un très bon moment et ouais, et au passage, si jamais vous voulez monter vos personnages, j'ai aussi fait une vidéo sur l'affectation, la contre-attaque en ce moment. Il reste à peu près 2 jours au moment où la vidéo sort. Honnêtement, faites-le, c'est très très simple d'avoir dans les 45 à 55K en fait d'expérience. En gros, ça suffit, vous en faites 3 et vous avez un perso de 1 à 10. Voilà, tout simplement, honnêtement. Donc, vraiment très 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 simple, même un peu trop simple de sortir un truc maintenant. Mais bon, dans un sens, c'est bien parce que ça permet de monter de niveau assez rapidement pour tous les gens, même ceux qui ont un peu de difficulté à jouer au jeu. Là, c'est vraiment un truc très très simple à faire. Donc ouais, en tout cas, ça sera tout pour cette petite intro. J'espère que vous aimerez et à la prochaine. Portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao, ciao. À la part.
localisation de la lame React. Drone activé. Des munitions, là. Séquence de SAS, séquence de zone en l'air. Transition de sous-zone en cours. Déploiement de la terre. Contrôle la terre. Conscient détecté. Archéen camouflé au sein de la zone critique. Trouvez un émetteur de catalyseur. Comme ça, vous pourrez relever les données des phénomènes énergétiques du parasite. Charge. Allumez l'émetteur de catalyseur. Les artefacts se comporteront comme des actions activées. Fais un contact! Le feu est prêt! Neutralisez ma cible! Recharge. Munitions disponibles. On laisse tomber l'ordre. Rendez-vous à la première zone de scan. Il y a toujours de la place. Camouflage activé! Éliminez la cible!
Obtenez les données suivantes. Attention, ennemi en approche. C'est pas fini. Il y en a encore. Abattez ma cible ! Ennemi en visuel. À mieux comprendre le parasite et l'origine de la bactérie chimère. Les actes contre-mêmes. Certains archéens semblent communiquer avec un élite. Si on le laisse réunir un groupe, l'endiguement sera pratiquement impossible. Éliminez ses ennemis pour forcer l'élite à se montrer. Ça leur enverra un message. Je lance la barre ! Pour charger ! Vous ne devriez pas tarder à voir l'élite. Personne à suivre. Statut du protocole Alstrom, ça s'activait. Une recharge. Paramètre rétabli. Je prépare une diversion. Merci. Recharge ! J'ai trouvé du matériel réact. Une recharge, on oublie mon ordre. Thank you.
barrage activé. Avoir une piste, mais il leur faut plus d'échantillons. Tout ce que je sais, c'est que votre cible est toute proche. Voilà votre cible. Éliminez-la avec votre lame React. Rechargement. Un de moins, mais c'est pas encore fini. Laisse tomber l'ordre. Éliminez ma cible. Neutralisez votre cible avec une élimination furtive. Attaquez ma cible. Cible éliminée. Continuez. Je prépare mon double. Avec votre lame React. C'est bon, je m'occupe de vous. N'éliminez pas aussi vite, nos chercheurs ont besoin d'échantillons. Rechargement. Nos chercheurs vont se frotter les mains quand ils vont voir ce que vous leur ramenez. Tiens, il y a des munitions ici. J'ai trouvé du matos React. Camouflage activé! Abattez ma cible. Rapidement, je déploie la part. Rechargement.
position, là. Récupérez au distributeur, placez-les dans le ganglion nourricier. Ça empêchera l'ennemi de se régénérer. Détruire l'ennemi est inutile si le nodule nourricier est en mesure de les ranimer. Utilisez la mousse sur ce nodule, et comme ça il ne pourra pas ressusciter ses nids. Je vois du matériel réact. Rechargement. Éliminez la cible, l'ordre est annulé. J'ai récupéré l'objectif. Ça a marché. Il n'y aura plus de nid ici pendant un moment. Le leurre a identifié l'ennemi. Camouflage activé! Des munitions, ici. On a repéré un archéen de haute valeur et je veux que vous le rameniez vivant. Quand vous l'aurez trouvé, je vous confirmerai la cible. Ma cible est prioritaire.
Les actes comptent plus que les mots. Les scientifiques de React heureux. Éliminer ma cible. Statut du protocole Maelstrom. J'ai trouvé du matos React. C'est bon, le plein est fait. Des données essentielles ont été récupérées, mais l'agent est coincé. Évacuez le personnel React. Je recharge. Abattez ma cible. Rapidement, on oublie mon ordre. Je recharge.
station de l'ERC. Camouflage déchargé. Voilà le colis. Évacuez notre agent. Amenez la ressource au caisson d'extraction. Neutralisez la cible. Camouflage activé. Éliminer ma cible. Activation des drones. Laisse tomber l'ordre. Je recharge. Cible prioritaire. Déploiement d'une mutation. Choc activé.
la première station. Abattez ma cible. Rapidement. Rechargement. Monte le mur en place. Je
Éloignez la station suivante. Grâce à vous, nos scientifiques vont pouvoir arrêter les ondes sismiques à distance. Vous aurez moins la nausée sur le terrain. Statut du protocole Alstron, probabilité de signaux d'essence en hausse. Si les choses se compliquent, il faudra envisager une extraction. Camouflage activé. Le prisme a localisé la cible. Rechargement. Séquence de décharge. On a besoin d'informations supplémentaires sur le réseau souterrain du parasite. Il continue d'évoluer et de s'adapter. Placez des autotraqueurs sur les nids en sommeil. Ne les détruisez pas ou on perdra les traqueurs. Marquez ces nids avec des autotraqueurs. Station de l'ORC. Autotraqueur activé. Dirigez-vous vers l'objectif. Déploie la pas. Rendez-vous à l'objectif. Ma cible est prioritaire. J'arrive pas à
pas à savoir si vous avez dû vous donner à fond ou si c'est trop facile pour vous. Briefez-moi pendant le trajet, je m'occupe du reste.